Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment cutf dans FruityDB. En fait le cutf ça permet de, si on le met tout à droite, d'avoir plus ou moins d'effets en fait, donc des hautes fréquences. Et là on va couper les fréquences donc on aura beaucoup moins d'effets. Par exemple si je le mets là, on aura déjà des effets de feedback alors que le feedback est vraiment à zéro. Pareil pour le tempo. Là on voit qu'il y a de l'effet alors que si on le met tout à gauche, on aura beaucoup moins d'effets. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, dans la description, il y a une formation sur FL Studio pour ceux que ça intéresse. Et au revoir.